Aujourd'hui, nous allons explorer l'identité et l'histoire fascinante des Juifs irakiens, une communauté qui a prospéré pendant des siècles au cœur du Moyen-Orient. Suivez-moi pour un voyage à travers le temps et l'espace pour découvrir leur riche héritage. Les premières traces de présence juive en Irak remontent à plus de 2500 ans à l'époque biblique. Et certains estiment que les premiers Juifs ont été déportés à Babylone après la destruction du premier temple en 586 avant notre ère à Jérusalem. Pendant ces siècles, les Juifs irakiens ont vécu en harmonie avec leurs voisins, les chrétiens et les musulmans, jouant un rôle important dans le commerce, la politique, la religion, l'art, la culture en général. Au début du XXe siècle, et avec l'effondrement de l'Empire ottoman, l'Irak est devenu un foyer d'agitation politique et de tensions religieuses. Malheureusement, cela a eu des répercussions sur les Juifs irakiens. Des tensions communautaires et des violences ont été commises contre cette communauté, comme le Farhoud. Et dans les années 1950, une série d'événements, y compris la montée du nationalisme arabe, a entraîné le départ en massif de cette communauté, cherchant un foyer à cause de situations instables. La plupart des Juifs irakiens ont été trouvés en Israël, en Amérique du Nord, en Europe. Mais ils ont gardé et ils gardent leur héritage riche et leur histoire, en écrivant des romans, des livres historiques, et transmettant cette culture et cette histoire aux générations futures. Et on trouve aujourd'hui des livres qui a été écrit par eux, qui parlent de leur histoire, leur culture, leur religion, en détail. On a noté tout. Et même le dialecte. On a gardé dans les livres même leur dialecte. Dialecte de Bagdad, des Juifs irakiens de Bagdad, ou du Nord aussi. Cette communauté essaye de garder leur héritage. Et essaye d'envoyer leur message au monde que cette communauté existe et vivante toujours. Et voilà donc une épreuve aperçue de l'identité et l'histoire des Juifs irakiens. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers le temps. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à lire notre article et faire des recherches supplémentaires pour approfondir vos connaissances. Merci et à bientôt.